Bienvenue sur la deuxième étape du Tour de France 1999 entre Challans et Saint-Nazaire. 176 km donc, une étape disputée sous un temps couvert mais assez ensoleillé. Il fait beau sur ce Tour de France après une étape humide la veille. Michael Bogaert, le leader de la formation Rabobank, a chuté. Il est passé au sein de la voiture médicale. Mais surtout, il y a une grosse tension au sein du peloton, malgré que ce soit une étape de plaine. Elle peut être piégeuse avec le passage du Coin et le pont de Saint-Nazaire. Donc on voit Jacky Duron tenter de anticiper ce passage fatidique, mais le baroudeur français est vite repris par le peloton, où là on va s'approcher du terrible passage du bois. On voit la formation Cofidis, la Française des Jeux, l'US Postal, la ONCE ou encore la Mapei à l'avant du peloton pour passer en tête ce passage du bois. Un passage très technique, route glissante, étroit, grande ligne droite, donc le peloton va rouler très vite avec deux courbes sur la droite. Et surtout, ce passage étroit et glissant va provoquer une chute environ à la 70e position du peloton. De nombreux coureurs à terre, mais aussi des coureurs gênés par la chute avec les vélos qui s'entremêlent. On voit ici le ralenti de cette chute au sein du peloton et surtout des coureurs piégés comme Alex Zoulay, le deuxième du classement général, Michael Bogaert, mais lui déjà, il avait mal commencé la journée, Gauthier, Robin, encore Rinero. Devant, on a un groupe de 17 coureurs qui ont réussi à prendre le meilleur sur ce passage du bois, avec notamment le maillot vert et vainqueur de l'étape de la veille, Yann Kersiplu. Par la suite, il va y avoir une jonction avec un peloton d'une soixantaine de coureurs. On a donc plus de 70 coureurs à l'avant de la course. Et c'est les formations Saïco pour Mario Cipollini, la ONCE pour Abraham Molano, l'US Postal de Lance Armstrong ou encore la Cofidis qui roule à l'avant du peloton. Maintenant, le but est de piéger définitivement Alex Zoulay et Ivan Gotti, le vainqueur sortant du Giro d'Italia. Devant, on s'entend parfaitement. Derrière, on voit la Banesto et la Polti ainsi que la Festina rouler pour éviter la catastrophe. Mais ça sera déjà une grosse catastrophe à la fin parce que l'écart se creuse. Tandis qu'il y a les sprints bonification, le premier a été remporté par Yann Kersiplu. Il en restait deux après le passage du bois. Et encore une fois, l'Estonien prend un maximum de bonifications. Bonne chose pour lui puisqu'il va prendre le maillot jaune à la fin de l'étape s'il fait une belle place au sprint. Ici le passage du pont de Saint-Nazaire. Encore un passage assez tendu avec du vent. Et finalement, on assiste donc à un sprint final à Saint-Nazaire après 176 km. Et là, on va voir la victoire belge, la victoire d'un belge. Il s'agit de Tom Steele de la formation Mapei au centre de votre écran, qui devance donc le maillot vert Yann Kersiplu, qui prend encore des bonifications et qui prend donc le maillot jaune sur les épaules de Lance Armstrong. Du côté des perdants du jour, Ivan Gotti et Alex Zoulay, c'est un retard de 6 minutes 02 sur la ligne d'arrivée. Le top 10, Steele, Kersiplu, Cipollini, Isabelle, Casper, Incapis, Vorada, Martinello, Ogradi, François Simon et le général Kersiplu à 14 secondes avant sur Armstrong, 22 sur Ogradi, 25 sur Olano et 29 sur Christophe Moreau.